Quatre jours après sa précieuse victoire aux dépens de l'AS Maniema Union, le football club Saint-Éloi-le-Popo a enchaîné un deuxième succès d'affilée en play-off sur le terrain de l'AS Dauphin Noir ce dimanche 24 mars 2024. Le Popo enchaîne les matchs et les compositions d'équipe s'essuivent sans s'y ressembler. Par rapport au 11 de départ de jeudi dernier à Kindu, l'entraîneur Mohamed Magasuba a effectué trois changements. Diobeni Ndongala, Issifou Bourana et Kartier Ndembélé remplacent Luison Sefou, Jonathan Mokonzi blessé et Orso Mwakumalanga suspendu. Avant l'ouverture du score, les Cheminots ont eu deux occasions franches. À la 7e minute, Ndembélé est trouvé dans le dos de la défense adverse. Le Malien remise de la tête pour Mika qui envoie le cuir au-dessus de la barre transversale. Ensuite, Mike Carvio s'était à la demi-heure de jeu. Le Brazzavillois oblige Lunanga à s'employer pour dévier une frappe qui prenait bien la direction du but. En réponse, Issifou Bourana intervient dans le dos de Kanza et écope d'un carton jaune. Le coup franc dans la foulée est mal négocié. À 2 minutes de la pause, Kartier Ndembélé obtient un corner après un geste technique de classe. Le corner est déposé sur la tête de Georges Mpolé qui catapulte la balle au fond des filets. Le score de 0 but contre 1 va accompagner les deux équipes au vestiaire. Les protégés du boss Jacques Yaboulakatoué ne vont pas se recroqueviller en deuxième période. Georges Mpolé va même une nouvelle fois pousser Lunanga à se déployer pour éviter le 2-0 à la 68e minute. 11 minutes après, les locaux vont profiter d'un petit flottement dans la défense du football club Saint-Éloi-le-Popo pour égaliser à travers l'Ompala Bokamba. La partie s'anime et devient palpitante. Auteur d'un match remarquable, le Tanzanien Georges Mpolé, pour son doublé, va allier classe et maestria pour envoyer Lunanga chercher le cuir au fond des filets, au plus grand bonheur du club jaune et bleu.